Et salut tout le monde! Salut à tous, c'est Cyril! Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de Bob l'Éponge, Battle for Bikini Bottom, Raid-Rated. Allez, on continue, on reprend là où nous en étions hier, à Bikini Bottom. Alors j'ai fait quelques petits trucs en off, après avoir coupé le live hier, j'ai joué 5 minutes de plus. Qu'est-ce que j'ai fait exactement? Je suis allé chercher la spatule dorée sur le toit de la maison de retraite, c'est-à-dire pas ici, là-bas. Je me souviens même plus comment j'ai fait. Je vais aller voir histoire de vous expliquer vite fait. Voilà, c'était ici. Ah oui, voilà, mais c'était ça en fait. C'était ce truc là, je pensais que ça... J'avais pas pisté, je sais pas pourquoi. Ça activait des caisses rotatives là qu'on avait déjà activées. Ça faisait un chemin là tout simplement jusqu'en haut. Et voilà, tout simplement c'était aussi con que ça. Et là, je pense qu'il me manquait pas beaucoup pour avoir le... Voilà, on va avoir le pognon là pour Monsieur Krabs. Alors, tu veux bien échanger des objets brillants? Voilà, bel ouvre. Voilà. 69 spatules. On va défoncer cela histoire de se refaire un petit peu. J'adore ouvrir des cadeaux. On n'a plus rien, les gars, sans spatule, c'est la dèche. Bob au centre de contrôle, lancement en cours. Doudou doudou. Oh, c'est brillant. Allez, donc on va faire le rêve de Bob l'éponge, le truc au milieu là. On avait dit qu'on ferait ça hier. Comme c'est beau quand ça arrive comme ça. Toi Marcel Bubule, t'as rien de nouveau à nous dire? Pourquoi je dois payer autant de spatules dorées à ces péages? C'est la vie, Bob l'éponge. Imparable. C'est la vie. Oh. On les a eus quand même. Allez, le rêve de Bob l'éponge, c'est parti, j'ai sommeil. D'accord, il va s'endormir. Le sommeil est peuplé de rêves. Oh putain, qu'est-ce que ça va être? Quels sont les secrets de ce royaume sous-marin somnambule? Des bulles de rêve. Je suis entouré de bulles de rêve. Je me demande ce que ça signifie. Gary, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, donc je rêve. Dans ce cas, la première chose que je vais faire, c'est imaginer que j'ai une moustache. Merci, Gary. Ça me donne un air plus sauvage. Hein. Si j'ai autre chose à faire, eh bien, j'aurai bien besoin de plus de spatules dorées. Pourquoi la moustache et flotte comme ça? Tu veux dire que chaque bulle de rêve renferme une spatule dorée? Les bulles de rêve, c'est-à-dire... Ah, c'est les... Ben non. Bon, on va chercher à comprendre. Oui, d'accord, on a bien vu qu'on avait une là. Oui, Gary, je serai prudent. Bien, alors voyons voir. Alors, il y a des hamburgers. Donc, c'est des trucs de crabe, là, machin. Alors, attends. Ici... Oh, je sais pas si je vais pouvoir y aller. Non, je pense qu'on est trop loin. On a une boîte, on a une méduse, on a la maison, donc c'est pour retourner à Bikini Bottom. Une spatule dorée derrière le rocher de Patma. Oui, oui, d'accord. J'attends, oui, effectivement, ce sera pour le retour. Hein. Ce sera pour le retour. Je te suis dit, ça paraissait être un chemin plus facile que les trucs avec les pics qui sont là. Alors attention. Ça revient.
C'est le genre de truc que je déteste, ça. Oh. Ok. Oh putain! Mais what? Mais c'est quoi? J'ai pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Énorme! Putain, alors d'accord, oui, il y a les flics qui sont venus sur nous, d'accord, mais ouais. Oh non! Je l'ai trop vite, putain! On peut le faire super vite. Mais du coup, le truc a avancé, je suis allé trop loin ce coup-ci. Saloperie. On le retente vite. Ouh, c'était juste. Oh non. Pas lui. Putain, merde. Ah, c'est relou. Je déteste les trucs comme ça dans tous les putains de jeux de plateforme. Regarde-moi ça. Oh, putain. Route glissante. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Est-ce que je peux la voir avant? Est-ce que je peux la voir avant avec le missile? Oh, ok. Termine à bord. Bon. Il nous emmerdera plus. Ok. Oh putain, je suis censé aller sur le ballon. Je suis censé aller sur le putain de ballon et... Non! Oh non! Putain, pas loin. Pas loin, pas loin. Non mais depuis un ou deux niveaux, le jeu est devenu pas simple, hein, honnêtement. Attends. Un petit pic de difficulté quand même. C'est pas non plus impossible, infaisable, hein, je suis pas en train de dire ça, mais il faut faire gaffe. J'ai du mal à voir où elle est exactement. Attends, putain. Oh non, 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 pas là, pas là, pas là, pas là, pas là. Mais non, pourquoi tu m'envoies? Eh, hey, là c'est pas moi, gros, c'est le jeu. Oh putain, il va falloir tout refaire. Il va falloir tout refaire. Regarde, il y avait absolument aucune raison qu'elle me dégage comme ça aussi loin. Allez, on est reparti avec lui. Wouhou!
Ah putain, et pourquoi il la prend pas? J'étais dessus là, non? C'est bien là, mais ouais. Il l'échappe pas comme ça. Du coup, on va laisser tomber pour l'instant. Tant pis. À mon avis, il y a un truc spécial à faire. Du coup, on va là. Oh putain. Cha-ching! Ah d'accord. Mais non! Quel handicapé, putain. Bob au centre de contrôle, lancement en cours. Oh le bleu, pourquoi tu viens pas? Oh merde, non, pas lui! Je l'ai pas vu! Voilà. Ils sont dans le vide. Un caleçon, on a pas vraiment besoin. Frais comme une brise printanière. Bon, bah ce qu'il y a, c'est que du coup, j'ai plus de pognon, les gars. J'ai plus de pognon. On a tout donné à Krabs. Ah, c'est chiant, ça. Ok, on peut quand même aller dedans. Oh, putain, qu'est-ce que c'est que ça? Wow, ton rêve est gigantesque. Tout est surdimensionné au Texas, même les rêves. Dans ce cas, tu es la personne qu'il faut pour atteindre la spatule au sommet de ce gland doré. C'est mon rêve, c'est moi qui décide. Je récupérerai cette spatule plus vite qu'un lièvre texan qui traverse une autoroute à quatre voies. Alors ici, c'est des trucs activés avec Bob. Hi-ya! Oula, ça, on peut pas y aller. Oh putain! Oh non! Je savais tellement pas que ça allait tomber. Mieux c'est. Mais c'est pas grave, au moins on a eu les trucs. Oh, il nous remet où? Ok, on a les machins. Il y a les chaussettes comme d'hab. Allez. Oh putain. Il y a encore plusieurs chemins. Je tente au hasard, les gars. Je sais pas trop où on va. Alors, ici, on est déjà venu, non? Oui. Oh putain.
Ouh. Ok, encore un retour ici, donc c'est pas la bonne route. Il y a des trucs là, mais on n'a pas encore assez de thunes, j'allais dire. Attention, vas-y, dis-moi que tu peux y aller. Oh non! Putain! Merde! Mais what? D'accord, ok, même ça on l'a loupé. Oh, je sens que je vais rager, les gars. Putain, pourquoi elle a pas atterri sur le toboggan là? Est-ce qu'on peut voir le parcours d'ici là? Allez. Ah non! Non, on peut pas le remettre. Une fois qu'on lâche l'hélicoptère, on peut pas le remettre en cours de chute, dis donc. Ça, je savais pas. J'avais jamais testé. Allez, on arrête de faire le gros marque à soin là. Manufacture. Tout à l'heure j'ai pris à droite. En prenant à gauche. Oh putain. Quelque chose ici. 2800. Salut, Plankton. Voilà ce dont j'ai besoin, un vertébré. Il sent un peu... Non, puisqu'on les a pas, putain, merde, j'aurais pas dû donner les 12 000 balles à l'autre, je savais pas, si je voulais pas savoir qu'il y avait besoin de machin, qu'est-ce que c'est relou! Bien, comment on sort d'ici? Oh putain. Et merde, c'est tellement pas là. Assez de sous. 1363, les gars, qu'est-ce que je vais devoir faire? Attends, il n'y a pas une boîte là ici là? Il n'y a que dalle.
Ah non, mais je suis con, il y a le voyage rapide. Il y a le voyage rapide. Putain, 2800 il faut. Ce troll du jeu. Putain les gars, je suis en galère là. Bien. Où est-ce qu'il y avait un truc avec 1000 coquillages à donner là? J'adore ouvrir des cadeaux. Ok, c'était ici hein. 1000 objets brillants. Alors ça a débloqué un trampoline, très bien. Un trampoline pour faire quoi? Oh putain gros, c'est impossible, hein? C'est tellement chaud. C'est tellement chaud. Putain, mais le temps de redescendre Eh ouais, mais... Le temps de redescendre, le truc est déjà dessus, quoi. Oh. Et là, faut que j'aille où? Eh ouais, mais... Putain, faut que j'aille où? Ici. Oh. Oh, le bol. Oh, ce bol qu'on a eu là. C'est tout, il y avait que ça. Truc de Carlo là. Je me sens regonflé à bloc. Oh, Ben. Le rêve de Carlo, attention, qu'est-ce que ça va être? Pour l'amour du ciel, couvre tes oreilles. Monsieur Krabs, qu'est-ce que vous faites dans le rêve de Carlo? C'est une situation complexe, mon garçon. Du moins, ça m'en a tout l'air. Tu penses pouvoir traverser cette partition jusqu'à la spatule dorée sur le gros nez de Carlo? Pas d'inquiétude, ouais. Monsieur Krabs. Je vais accomplir ce défi plus vite. Bonne chance, mon garçon. Bien. Alors, voyons voir. Alors, mmh.
quoi les partitions en fait? Parce qu'il joue de la clarinette, un truc de genre, c'est ça? Oh! Oh putain! C'était loin là! Je suis tellement mal installé aussi, là, je suis à 2 cm de ma télé, forcément je vois rien. Oh! Maintenant. Ok, super. Perspective à la con. Oh oh. Ah putain! Maxi concentré, hein. Celui qui me dit « Mais c'est simple, Cyril, c'est toi qui es pas... » Oui, mais calme-toi quand même. Patrick doit faire sa lessive. Bien, on recommence, mais on a eu la chaussette, c'est ça qu'on voulait. Non, on va te remettre. Ah mais je comprends que des gamins de 8 ans qui fait le jeu est ragé. Bien. Oh putain. Ah, c'est compliqué là. Ce rattrapage. Oh, encore. Putain. Oh, elle part vite. Salope. Les perspectives, qu'est-ce que c'est chiant dans ce jeu de plateforme à la con. Ok. Ça brille. Oh, c'est bug. Quelle malchance. C'était le bug. Thank you.
Mais on n'a pas le temps. Aussi longtemps que je serai une éponge carrée et que je m'appellerai Bob. Alors c'est pas quand elle arrive, c'est quand elle est. Ouais, mais on peut pas vraiment aller beaucoup plus loin. Genre là et peut-être là. Non, faut qu'on attende qu'elle soit plus loin. Pas d'autre chemin évidemment. Ah putain! Nouveau niveau de l'enfer, hein, les gars, en tout cas. Ah. Alors, les bleus, ça va. S'ils bougent pas trop! Pas simple du tout. Bien joué. Bien. Alors, voyons voir. Bien rebond. Bon les gars, je vais m'arrêter là. Je sais que ça fait pas longtemps, mais je vais m'arrêter là pour cette partie. Ce sera une courte partie. Je suis obligé d'aller farmer. Je suis obligé d'aller farmer des thunes parce qu'il y a des palourdes à ouvrir. Il y en a une à 1000. On n'a pas eu celle-là encore. Il y en a une à 1000. Il y en a une à 2800 chez Sandy. Donc il y en a encore une à 1000 là-bas. Ça fait 3000-4800. Chez Patrick, je sais pas s'il y en a encore, faut que je farme au moins 6000 trucs. Donc voilà, je vais pas vous emmerder avec ça, je vais faire ça de mon côté, et puis on reprend très vite la suite. Ciao ciao.